Lors du comité syndical du 14 juin, les élus du Citral ont entériné le tracé de la future ligne de tramway T6 Nord entre les hôpitaux Est et la Doua. Le choix s'est porté sur le tracé dit historique en rouge sur la carte. Le prolongement de la ligne T6 passera ainsi par le centre-ville de Villeurbanne et desservira des pôles stratégiques d'avenir. Lors de la concertation publique, entre le 15 mars et le 12 avril dernier, pas moins de 3600 contributions ont été recueillies sur la plateforme en ligne, dans les registres ou via des questionnaires mis à disposition. Les avis et questions que vous avez posés ont permis d'enrichir le projet et de choisir le tracé rouge. Mais ce n'est pas fini, le projet va encore s'affiner grâce à la concertation continue, avec des rencontres prévues à l'automne 2021. Oui, il reste à définir les stations pour certaines, où la localisation n'est pas totalement définie. Et puis, il reste notamment des problèmes sur la rue Billon, où on travaille sur plusieurs solutions techniques pour essayer d'avoir moins d'impact foncier, où les discussions sont encore ouvertes sur comment on va faire ce tramway. Sous réserve de validation par l'enquête publique, la mise en service du T6 Nord devrait ensuite avoir lieu en 2026.